Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois de février 2024. Alors on va faire comme d'habitude, je vais vous présenter mes achats du mois parce que évidemment mes résolutions de début d'année ont complètement disparu. Je ne sais même plus ce que veut dire ce mot d'ailleurs. Alors pour commencer, dans mes achats neufs, je me suis procuré tout d'abord Jamais Plus, le premier tome de cette duologie de Colleen Hoover aux éditions Hugo Poche New Romance. J'ai été complètement obligée de l'acheter parce que j'ai été menacée par Dory du compte My Little Book 13. Oui. Toujours plus. Donc voilà pour mon premier achat. Ensuite, je me suis procuré Kamasutra pour tous et toutes, guide illustré pour une sexualité épanouie et inclusive, de la Renarde Bouclée aux éditions First Edition. Non pas que je ne sois pas au courant de ce genre de choses, mais je trouvais ça super intéressant et je le trouve... Hyper beau à l'intérieur. Enfin, tout est relatif. Hein. Je vais pas vous montrer parce que bon, il y a quand même des choses explicites. J'ai pas envie de me faire jarter de YouTube. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Elle a un compte Instagram, la Renarde Bouclée, de superbes illustrations, qui est illustratrice. Et je lui ai aussi pris en même temps que ça. Je lui ai pris par exemple, je vais enlever ce qu'il y a dedans, cette tasse que j'aime trop. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Avec le petit dessin de ce côté. J'aime trop. Et il y avait aussi des petites cartes. Alors moi, je me suis pris celle-ci. Et d'autres que je ne vous montrerai pas parce que c'est pour des cadeaux que je veux faire à des personnes. Donc voilà. Voilà. Ensuite, je me suis procuré évidemment Four Wings de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Romantasy, alors oui j'ai complètement pété les plombs, de la fantasy Mélanie, tu n'en lis pas, ou très peu, tu n'accroches pas tant que ça, donc pourquoi tu fais ça? Ben en fait il me tenterait trop, et en plus l'objet livre, j'ai même pas enlevé la protection, tellement il est beau, je vous montrerai mieux quand je le lirai, je pense le lire vers un mois de mai, mois de juin, parce qu'il y a le tome 2 qui sort, et vu qu'il s'agit de la fantasy, je veux pas le lire trop tôt, parce qu'après je vais être perdue si... voilà. Enfin bref, voilà. Donc voilà, celui-là aussi a rejoint ma palle. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Ladies with Gun d'Alnor et Olivier Bouquet aux éditions d'Argo. Je vous avais parlé du tome 1 dans ma vidéo précédente et celui-ci, normalement, je vais vous en parler dans cette vidéo-là. Ensuite, je me suis procuré, évidemment à cause de Dory, hein, toujours... Le tome 1 et le tome 2 de My Missing Piece d'Acacia Black aux éditions Nisha et etc. En fait, elle en avait parlé tellement bien, apparemment ils sont géniaux. Et en plus de ça, il y avait cette version en relié magnifique, donc j'ai craqué. Et je pense le lire tout bientôt. Je pense pas ce mois-ci parce que j'aurai pas le temps, mais très vite. Ensuite, mes achats Vinted d'occasion, je me suis procuré Chère Mamie, tu vas rire de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche, dont je vais vous parler ce mois-ci aussi. Et je me suis procuré Vous faites quoi pour Noël, on se marie. J'avais lu, si vous vous souvenez et que vous avez regardé mes vidéos, le tome 1 qui était Vous faites quoi pour Noël tout court de Karen Ponté aux éditions Pocket. J'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment et bon je me suis dit allez, c'était pas un coup de cœur loin de là, hein, c'est des comédies de Noël. Mais voilà, au moins je l'aurais dans ma palle, il était vraiment pas cher les deux en même temps. Donc je me suis dit allez hop, une pierre deux coups. Et du coup il sera là et je vous en parlerai du coup cet hiver pour Noël parce que je le lirai à cette période là. Voilà pour ça. Et pour finir, j'avais participé à des concours et j'ai reçu pour mon plus grand bonheur du coup sur le compte de les lectures de Julie. J'avais participé à son calendrier de l'Avent pour gagner cette bande dessinée roman graphique. Donc il s'agit des Moments doux de Virginie Grimaldi et illustré je suppose par Vincent Henry et Valeria Gufanti aux éditions La Boîte à Bulles. Donc je remercie du fond du cœur les lectures de Julie et La Boîte à Bulles si vous passez par là. Parce que j'avais eu un énorme coup de cœur
pour le roman de Virginie Grimaldi et que ne dure que les moments doux, pardon. J'avais eu un énorme coup de cœur. Et donc ça, il s'agit de son adaptation en roman graphique BD. Et il me tarde de me replonger dedans parce que je pense que je vais avoir ma petite larme. Et il est super, super beau. Je vous en parle plus que dès que je l'aurai lu, mais voilà. Et ensuite, j'avais participé à un concours qui avait été organisé par Gourmande de Lecture, donc Alexandra, et auquel j'ai gagné. Et donc, j'ai remporté le premier tome de la saga Hadès et Perséphone, Touch of Darkness, désolée pour mon accent anglais tout pourri, de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman New Romance. Et avec ça, j'avais eu un petit mot tout mignon qui m'a beaucoup touchée. Alors merci beaucoup Alexandra si tu passes par là. Franchement, j'adore ton compte. Et d'ailleurs, vous, si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite fortement à aller voir, découvrir son compte Instagram et sa chaîne YouTube. Parce que oui, elle en a une. Et elle partage de temps en temps des carnets de lecture qui sont super intéressants. J'aime beaucoup quand elle donne ses avis. C'est très complet, c'est très bien, elle parle très bien et tout ça, et j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à aller vous rendre sur sa chaîne, je vous mettrai le nom de son compte. Et avec le livre, en plus de ça, et le petit mot tout touchant, elle m'a aussi laissé des petits goodies, donc ce petit chocolat tout mignon que j'ai trop envie de manger, d'été évidemment, c'est trop bien, un petit marque-page trop trop beau, j'aime trop les motifs qui sont dessus, et qui est magnétique, et alors ça c'est une belle découverte pour moi, je ne connaissais pas du tout ce genre de marque-page, et c'est super chouette, c'est tout petit, ça prend pas de place, c'est trop cool, il n'y a pas trop de chance que ça s'enlève, du coup on le perd pas, et merci beaucoup, franchement j'aime trop. Et en plus de ça, mon fils n'a pas été oublié, parce que il a eu droit à son petit coloriage dans le colis, et je trouve ça une attention trop trop mignonne, et j'aime trop, et merci beaucoup vraiment Alexandra si tu passes par là, tu sais que j'aime beaucoup ce que tu fais, donc merci beaucoup, je suis très très touchée et très contente d'avoir gagné ton concours. J'ai lu Pisse Mémé de Cathy Bor aux éditions Dargaud. C'est un livre que j'ai offert à ma grand-mère parce qu'avec ma soeur et mes cousins, on l'appelle Mémé. Donc voilà, c'était l'occasion. Donc je lui ai emprunté. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Si un jour on gagne au loto, on ouvre un bar à tisane et on l'appelle Pisse Mémé. Chiche, enfin, faudrait de la bière aussi et des cours de yoga. Et puis un coin librairie, de la bière bio et locale. Quatre copines, une crise de la quarantaine, un burn-out, une grossesse, une comédie drôle et astucieuse qui met en scène quatre parcours de vie et de renouveau autour d'un projet commun, joyeux et militant. Alors j'ai vraiment passé un bon moment avec cette BD, j'ai bien aimé, je suis très contente de l'avoir découverte. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors les dessins, c'est pas ce que je préfère en règle générale dans les bandes dessinées et romans graphiques, mais bon, c'est sympa, ils sont sympas, j'ai bien aimé d'ailleurs, j'attendais, je vais essayer de vous montrer à peu près à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et oui, ils sont plutôt sympas, il y a des situations assez loufoques, assez drôles, et ça met en scène vraiment tout type de personnes. Ça s'adresse à plein de monde, et ça c'est ce que j'ai trouvé cool, c'est assez diversifié. Et en plus de ça, je trouve qu'elle donne des petits conseils assez avisés pour des personnes qui auraient des projets d'ouverture d'entreprise, par exemple, de commerce, etc. Et bon, bien sûr, à vérifier, mais c'est super cool, je trouve. Et de mon côté, ça tombait à pic. Donc voilà, que vous dire de plus, je crois que... Foncez la lire, vous passerez un bon moment, c'est tout ce que je peux vous dire de plus. Voilà. Alors, le mois dernier, je vous avais présenté ce livre, il me semble même que je vous avais lu le résumé, donc je ne vais pas vous le relire ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours aller le réécouter dans ma vidéo précédente, tout à la fin, sur le bilan du mois de janvier, vous pouvez le retrouver assez facilement. Je vous disais aussi du coup le mois dernier que je peinais à avancer dans ma lecture, que j'accrochais pas plus que ça, et bien c'est toujours le cas. Là j'en suis à la page 189 sur 360 à peu près, et je peine toujours.
Alors, il y a des chapitres où je trouve un peu plus intéressant et je me dis, ah ouais, pourquoi pas, ça reprend un peu. Et puis finalement, le chapitre d'avant, non. Donc, clairement, je pense que ça va être mon premier abandon de l'année. Pourtant, c'est pas de moi, je déteste faire ça. J'aime bien aller au bout des choses parce que je me dis, tant dans 10 pages, il va se repasser un truc et puis je vais adorer et je vais manquer quelque chose. Mais en soi, je suis quasiment arrivée, enfin, plus ou moins à la moitié du livre et je m'ennuie. J'accroche pas vraiment avec la plume de l'autrice. Il y a énormément de longueurs tout du long des chapitres. Les chapitres sont hyper longs en plus. Et autant les longueurs que les chapitres longs, j'aime pas ça. Parce que j'aime pas m'arrêter en milieu de chapitre quand je suis fatiguée le soir et quand il y a 50 pages dans un chapitre, non. Plus de ça, je trouve que c'est dommage parce que ça enlève du dynamisme à l'histoire. Mais je comprends la construction en soi parce qu'en étant arrivée là, je comprends plus ou moins le principe de ces chapitres-là. Mais voilà, moi j'accroche pas. Les longueurs, je déteste ça. Il y en a en veux-tu, en voilà. Et ça, ça me saoule. C'est ça qui fait que je m'ennuie clairement. En plus, certains n'apportent rien de plus au récit, je trouve. Hein. C'est que mon avis. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Mais moi, clairement, les longueurs que j'y trouve, il y a que ça, en fait, dans le livre, j'ai l'impression. Et je m'ennuie. Mais vraiment, je m'ennuie. Donc voilà, clairement ça va être mon premier abandon, je vais pas vous saouler avec ça, mais c'est dommage parce qu'en fait ça m'embête, parce que clairement le sujet et l'histoire en soi m'intéressait beaucoup, je trouvais ça super intéressant, le côté de ces personnes âgées qui, enfin ces personnes pas trop âgées qui se font ce pacte-là de si on meurt pas avant à 80 ans on se suicide parce que on veut pas coûter à la société, on veut pas être dépendant d'autres personnes pour pouvoir faire sa toilette par exemple pour s'occuper de nous et compagnie, je trouve ça hyper intéressant. Donc je pense que ça aurait été écrit et présenté d'une autre manière, peut-être que ça l'aurait fait, mais là clairement, j'accroche pas du tout, je m'attache pas au personnage, j'ai du mal, non. Donc on va s'arrêter là, on va arrêter les frais, je veux pas aller dans une panne de lecture, j'ai tellement de belles lectures qui m'attendent dans ma page, je le sais, que j'ai pas envie de perdre mon temps avec cette lecture, pourtant c'est pas ce que j'aime faire, j'aime bien aller au bout des choses, comme je vous le disais, donc mais voilà, clairement je vais pas insister, peut-être que je le reprendrai plus tard, je ne sais pas, mais en tout cas là pour le moment, c'est pas le bon moment, je le sais. Donc c'est pas la peine, on force pas les choses, on va laisser ça de côté, et puis si je venais un jour à le reprendre, je vous en reparlerai. Mais voilà, pour le moment, j'accroche pas, et voilà, on va passer à autre chose. Ensuite, j'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo Poche. Je vous lis le résumé. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile. Entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Une jeune femme face au cycle de la violence. Alors, j'ai refermé ce livre hier soir, toute bouleversée, toute chamboulée, parce que c'est un roman percutant et très, très important. C'est la première fois que je lis du Colleen Hoover, j'avais énormément d'a priori dessus et finalement je suis très très contente de m'être lancée. Tout ça sous les bons conseils avisés de Dory du compte My Little Book 13 évidemment, je vais plus la présenter parce que je pense que c'est plus la peine. Donc si tu passes par là Dory, merci beaucoup petit Satan que tu es pour cette découverte. Je suis très contente d'avoir découvert la plume de cette autrice qui est très directe et très incisive je trouve et j'adore. Donc comme je vous disais c'est un roman que je trouve important dans le sens où donc du coup vous l'aurez compris ça parle de... Ça traite quand même de sujets assez complexes comme par exemple la violence conjugale. Et donc, même si c'est considéré comme une new romance, je le trouve bien. Je trouve que c'est un roman qui est bien plus que ça. Je trouve même que pour moi, ce roman rime avec prévention.
Je pense pas qu'il sauvera l'humanité, clairement, mais il s'adresse à toutes les femmes, qu'elles subissent ou non des violences conjugales. Et je pense que si vous prenez des notes, les filles, je pense que il peut nous sortir de pas mal de situations dangereuses. Je pense que si les conseils avisés que j'ai trouvés dedans, certains, sont appliqués sur nos relations, je pense que ça peut nous sortir de pas mal de galères. Même si certes, ça reste un livre et il ne sauvera personne. Hein. Mais voilà, reste à vous de faire les bons choix. Parce que évidemment, c'est ce que nous montre ce roman, c'est que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Dans la vie, il y a énormément de choix à faire, assez compliqués, assez complexes, d'autant plus quand il y a les sentiments qui se mettent au milieu. Mais voilà, je pense que avec un peu de moulinage de cerveau, je pense qu'on peut se sortir de pas mal de situations assez dangereuses. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ce roman hyper important et bien plus qu'une new romance, clairement. Et en plus, malgré du coup les côtés sombres de ce roman-là, de ces sujets complexes, il nous délivre une magnifique histoire d'amour et j'ai adoré. Je l'ai trouvée trop trop belle, vraiment. Et donc voilà, c'est pour ça que même si ce roman pour moi il se suffit à lui-même, j'irai volontiers lire la suite parce que je suis très curieuse de voir ce que l'autrice nous aura concocté pour la suite et de retrouver les personnages de ce roman que j'ai trouvé vraiment magnifique. Magnifique malgré sa dureté, malgré certains passages. Et voilà. Donc si vous n'avez pas déjà lu ce roman et ni découvert La Plume de Colleen Hoover, je vous invite fortement à aller vous procurer ce roman. En plus, il y a il me semble qu'elle est toujours disponible, la version collector en relié, qui est magnifique. Donc n'hésitez surtout pas. Chose à part, je me suis rendu compte en montant mes vidéos que quand je vous donnais mon avis suite à la lecture du résumé, je ne faisais pas forcément de speech sur l'histoire qui se passe dans les romans. Tout simplement parce que bah, je vous donne mon ressenti, mon avis, et que j'ai peur qu'en en faisant un speech de l'histoire, je vous spoile des choses, et puis ça ne me vient pas forcément naturellement. Mais je voulais voir avec vous si du coup ça vous suffisait comme ça ou si vous préféreriez un speech en plus dans mon avis ressenti. Dites-moi en commentaire si je continue comme ça ou si j'essaye d'introduire du coup ces speeches au milieu de mes avis. Ensuite, j'ai lu Lucie, l'amour d'une vie de Matteo Scarano aux éditions Ex-Aequo. Je vous lis le résumé. En 2020, en pleine épidémie de Covid, une relation d'amitié va se créer entre Lucie, résidente en EHPAD, et un infirmier au cours de ses missions. Au départ, quelques mots échangés, puis Lucie, 103 ans, va retracer son histoire avec les nombreux événements qui ont traversé sa vie. Sa naissance en pleine guerre de 14-18, alors que son père est sur le front, sa grande histoire d'amour avec Jean, débutée juste avant la Seconde Guerre, et qu'elle gardera dans son cœur pour toujours. Le fil conducteur est ici la saga d'une famille de paysans. Lucie nous fera aussi découvrir avec son cœur ses émotions, la vie en EHPAD, ces établissements qui sont bien plus que des maisons de vieux. Nous partagerons des instants de réflexion sur le traitement qu'accorde notre société à nos aînés. Lucie, l'amour d'une vie n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi une tranche de vie qui va nous transporter dans le XXe siècle à travers ses nombreuses mutations et évolutions qui bouleverseront le monde agricole et notre société. Alors déjà, moi, ce qui m'avait marqué, c'était la couverture. Je la trouve superbe. Très 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 belle. Et donc il s'agit d'un produit offert par l'auteur. Il m'a contacté directement. En fait, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, il m'avait contacté pour m'envoyer son premier roman en service presse, qui était celui-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors attendez, j'essaie de vous enlever le reflet. Ce ne sont que des histoires de gosses chez la même maison d'édition que j'avais bien aimé. Et donc, il m'a proposé de recevoir son deuxième roman. Alors, pour être honnête avec vous, quand j'ai commencé à lire le résumé et que j'ai vu en 2020 en pleine épidémie de Covid, alors déjà là, on commençait mal. Parce que moi, je boycotte les livres qui parlent de Covid, je déteste ça, j'ai pas du tout envie de me replonger là-dedans. Mais je suis quand même allée plus loin et j'ai lu le résumé en entier et j'avoue que je me suis dit, ce résumé. C'est une histoire qui a tout pour me plaire, malgré le côté Covid. Donc j'ai dit, vas-y, passe au-delà et on verra bien ce qui nous attend.
Et heureusement que du coup je me suis laissée convaincre parce que du coup je serais passée à côté d'une belle histoire touchante. Et c'est vraiment dommage. En fait ici voilà, on se met un peu à la place de l'infirmier qui discute en fait avec cette femme qui a beaucoup à nous raconter. Et donc elle plonge dans ses souvenirs et on a l'impression d'être dans sa chambre avec eux en train de boire un café et discuter voilà, des souvenirs de cette femme. Qui est amoureuse de la vie et voilà. J'ai passé un super bon moment, d'autant plus que la famille de cette dame est agriculteur, enfin ils sont fermiers, ils sont paysans. Et donc du coup, on voit l'évolution de l'agriculture du début du 20e siècle à la fin. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai beaucoup aimé, moi étant fille d'agriculteur moi-même, donc voilà, ça m'a parlé. Le seul petit truc qui m'a manqué lors de ma lecture, c'est que l'histoire d'amour qui se cache à l'intérieur, j'ai trouvé que c'était pas assez approfondi pour que je sois totalement immergée à l'intérieur. C'est dommage, parce que je pense qu'il y avait, un grave potentiel à ce niveau-là. Mais voilà, moi j'ai passé un super moment, c'est super bien écrit, j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de l'auteur qui est de base très poétique. D'ailleurs, il a même des poèmes à l'intérieur. De ses romans écrits par lui-même. Je vous ai mis d'ailleurs un réel sur ma page Instagram où je lis un de ces poèmes qui sont à l'intérieur de ce roman. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc ensuite, pareil, à l'intérieur, je trouve que c'est bien parce que du coup, l'auteur interagit, enfin, on a l'impression qu'il interagit avec nous, il nous fait nous poser des questions en fait sur nous, comment on aurait réagi à ça, à machin, nanana. Et ça, j'ai trouvé ça super cool, super chouette. Je sais qu'il avait déjà essayé de le faire lors de son premier roman, on en avait discuté et je trouvais que c'était trop léger, il n'y en avait pas assez justement. Il y en avait une ou deux dans le roman et on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là en fait, parce que depuis ça fait 100 pages qu'il n'y en avait pas eu. Et du coup, là, il en a rajouté et on a vraiment l'impression d'être impliqué dedans. Et j'ai trouvé ça génial, ça donne un dynamisme assez sympa. Pareil pour les poèmes qu'on retrouve à l'intérieur et les lettres du coup que s'échangent les deux amoureux. J'ai trouvé ça super sympa, ça donne ça donne une autre dimension, un autre rythme à la lecture et j'ai trouvé ça super cool. Et c'est pas, on va dire que ce roman par contre je vous préviens parce que moi je m'attendais à qu'on soit à fond dans une histoire d'amour et en fait pas du tout, on est dedans, elle y est, mais voilà, c'est vraiment cette fresque familiale qu'on suit du début du 20e siècle à la fin et elle n'est pas centrée en fait sur cette histoire d'amour. Et c'est ça qui a péché dans le sens où c'était très bien comme ça, mais il aurait fallu un peu plus approfondir les sentiments. Je sais pas comment m'exprimer à ce niveau-là, mais voilà, c'était pas l'histoire d'amour en elle-même, vu qu'elle était pas au centre du roman, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus approfondie pour vraiment ressentir les émotions. Voilà, je sais pas si c'est mieux comme ça, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. En tout cas, voilà, j'ai passé un excellent moment. N'hésitez pas à le lire pour voir ce que vous en penserez. En plus, c'est un roman court, franchement, il est très accessible. Il y a un peu moins de 200 pages. Et en plus de ça, oui, j'allais oublier ça. En plus de ça, en fait, ce roman, c'est un peu un appel à. Parce que je trouve que, effectivement, comme le dit l'auteur, c'est triste de nos jours, nos vieux ils sont en iPad, ils passent leur journée seuls. Je conçois, on est occupé, on a des choses à faire. Mais voilà, c'est dommage de finir notre vie en iPad tout seul. Même si certes il y a les soignants, mais bon voilà, ils ont autre chose à faire, ils travaillent donc voilà, ils peuvent pas prendre le temps forcément de discuter avec tel. Et donc voilà, c'est un appel à prendre soin de nos vieux en fait qui ont pris soin de nous quand on était plus petits et quand on en avait besoin et ça serait bien de leur rendre l'appareil. En gros, c'est ça plus ou moins le message que je retiens de ce roman là. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai lu le tome 4 des McCoy de Alex and Jill aux éditions Hugo Poche. Alors je vais pas vous lire le résumé parce qu'il s'agit d'un tome 4 donc je ne veux spoiler personne. Mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai adoré ce tome.
Vraiment, je suis complètement conquise par l'évolution et la continuité de cette saga. C'est juste waouh. D'ailleurs, je vois énormément d'évolutions dans le monde clanique courant au plus en avance dans la saga. Notamment par rapport aux conditions de la femme, chose qui m'avait complètement dérangée lors du tome 1, et je me suis dit, Mel, c'est bon, c'est un roman, c'est une histoire, donc essaye de passer au-dessus de ça et vois ce qui se passe après. Et en effet, j'ai bien fait parce que vraiment, en fait, ça fait comme dans la vie de tous les jours. Notre situation en tant que femme évolue au fil du temps grâce aux militantes, grâce voilà, à plein de choses comme ça. Et même si c'est pas toujours parfait, on arrive à faire évoluer les choses, à diminuer le pouvoir du patriarcat qui est quand même encore bien présent. Et on va dire que c'est exactement ce que je ressens en lisant cette saga. Donc là, on en est au quatrième tome, donc il y a plein de choses qui évoluent dans le bon sens. Et je trouve ça trop, trop, trop cool. Dans ce tome-là, on a également, comme dans les autres tomes en fait, des personnages féminins et masculins complètement badass et complètement déments, et ça, c'est trop cool. Si je devais classer ma préférence des 4 tomes que j'ai lus sur les 6, je pense que celui-là, il arrive largement en tête. Parce que même si j'avais eu un coup de cœur pour le tome 2, par rapport justement à cette évolution dans la saga, la condition de la femme, etc., celui-là, il me correspond absolument plus que le deuxième, en tout cas. Et vraiment celui-là, mais je pense que je peux le qualifier de coup de cœur. Je sais pas. Si, si, c'est, si. Je pense que c'est un gros coup de cœur. Si je l'ai eu pour le 2, si je considère que je l'ai eu pour le deuxième, celui-là, c'est un plus gros coup de cœur encore que du coup le tome 2. Non, clairement, il est trop cool. Même si il y a des scènes où clairement il m'a mis grave à mal. J'ai cru que j'allais pas m'en remettre. Il y avait des scènes, ça m'a mis en état de stress, mais plus, plus, plus. Je peux pas vous dire ce que ça concerne, ni le sujet, ni la thématique, ni quoi que ce soit, parce que je risque de vous spoiler. Mais voilà, vraiment, même si ça m'a mis à mal à certains passages, c'est pour la bonne cause. Franchement, je peux que vous recommander cette saga. Vraiment, je l'aime de plus en plus. Et c'est une très très belle surprise, très belle découverte. Je suis très très contente de m'être lancée là-dedans. Donc, je ne peux que vous conseiller de le faire également. Alors, ensuite, j'ai lu Chère Mamie, tu vas rire de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Et je pense que c'est en partenariat avec Flammarion. C'est une sortie inédite. J'en avais déjà lu un de Chère Mamie. C'était Chère Mamie tout court, il me semble. Si je dis pas de bêtises, j'avais beaucoup aimé, ça se lit vite. En 1 heure, vous l'avez torché. Hein, c'est très aéré à l'intérieur. Comme ça, vous avez même entre les lettres, vous avez des petites photos comme ça, où vous pouvez voir la vie du coup un peu de illustrée de Virginie Grimaldi. Et de temps en temps, vous avez son petit bulldog, trop trop mignon, j'adore. On le retrouve souvent dans le truc, donc vous voyez, ça se lit vraiment très vite. C'est des petites anecdotes en fait qu'elle raconte à sa grand-mère. Et ici, on démarre quand elle était petite et jusqu'à de nos jours. Et je trouve ça très sympa, ça met du baume au cœur. C'est une lecture, en fait, je l'ai démarrée parce que je venais de finir une lecture, Bébé dormait, et j'avais envie de lire encore. J'avais envie d'un truc fun, d'un truc léger, d'un truc qui se lit vite. Et donc du coup, je l'ai sorti de ma palle. Et je me suis régalée en une soirée, il était plié, j'ai passé un super bon moment, je me sentais tellement bien après. Donc voilà, je peux que vous les conseiller. Le seul que j'ai pas lu de Chère Mamie, c'est celui sur le confinement, parce que moi, lire sur le confinement, sur le Covid, ça me barbe. Je n'ai pas du tout envie de me replonger dans cette période anxiogène, donc du coup je boycotte un peu les lectures où il est sujet de Covid. Donc voilà, ben je vais vous lire le résumé, puisque il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein, clairement. Voilà, on suit un peu les anecdotes de Virginie Grimaldi et elle fait ça avec brio, avec beaucoup d'humour et c'est trop chouette. Donc je vous lis le résumé quand même pour vous faire une petite idée si vous avez envie de vous lancer. Ce matin, la maîtresse nous a amenés au musée à Bordeaux. C'était génial. Enfin, pas les peintures moches, mais de prendre le bus. Il y avait un cendrier argenté accroché au siège et dedans j'ai trouvé un chewing-gum usagé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'ai attrapé et j'ai commencé à le malaxer comme de la pâte à modeler.
J'ai fait une boule, un serpent, un cœur. Puis j'ai fini par un chapeau. Un tout petit mignon chapeau vert. Ah, ça, tu m'aurais vu, j'étais fière de moi, avec mon tout petit mignon chapeau vert posé sur ma tête. Tu le savais, toi, que le seul moyen d'enlever le chewing-gum sur les cheveux, c'est de les couper. Papa dit que je ressemble à un Playmobil. Gros bisous à toi et à papy. Ginny. Alors ensuite j'ai lu La femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu précédemment, édité chez City Edition. Je vous lis le résumé. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous ses dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Waouh, mais putain, quelle claque ce beau roman, il est époustouflant, j'en suis sur les fesses. C'est un véritable page-turner, clairement, il n'y a pas d'autre mot, et encore que je trouve que le mot est assez faible. Mais clairement, on n'a pas envie de le lâcher ce roman, du début à la fin, on se dit, bon allez, vas-y, je finis ce chapitre, on s'arrête là, mais non, on est obligé de continuer, parce que l'autrice nous mène en bateau du début à la fin, elle nous tient en haleine, mais un truc de fou. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça en lisant un roman. Alors, je pense que je peux le qualifier peut-être de coup de cœur. Après, je trouve ça un peu malsain de qualifier ce roman de coup de cœur quand même, parce que c'est très très malaisant comme lecture. Mais oui, clairement, il le mérite amplement. Ce roman est génial, je n'ai pas d'autres mots. J'ai cru en plus au fil de ma lecture que j'avais le cœur qui allait exploser en mille morceaux, dans le sens où la tension du livre monte mais crescendo à chaque fois qu'on tourne une page, et au bout d'un moment, mais c'est tellement qu'on n'en peut plus, et j'ai cru que clairement mon cœur allait y passer. Je suis toujours là, donc tout va bien, mais voilà, j'en ai fait des cauchemars aussi, c'est pour vous dire, vraiment j'étais à fond dedans. Vraiment, il y a des passages, waouh, mon dieu, mais ça fait froid dans le dos, j'en ai vraiment eu des sueurs froides. Mais voilà, en tout cas, dès que le tome 2 sort en version poche, c'est clair et net que je vais direct en librairie me le procurer, parce que je veux absolument voir ce que l'autrice nous concocte pour le tome 2, parce que franchement, rien que cette fin d'ailleurs, magistrale. Je m'attendais pas du tout à ça d'ailleurs en ouvrant ce roman. Il y avait tellement une grosse hype en plus quand il est sorti en version brochée, que j'avais énormément d'attentes et j'avais très envie de le lire, hein, clairement, mais je me suis dit, peut-être que ça va pas le faire, et finalement c'était au-delà carrément de mes espérances. Il est génial, foncé. Ensuite, j'ai lu Un éclat d'or et de solitude de Sarah McCoy aux éditions Pocket, toujours dans le cadre du jury du Grand Prix des lecteurs de 2024 Pocket. Je vous lis le résumé. Bienvenue chez les héros du monde. 1972, au milieu des Caraïbes, récemment divorcé, Lex Smith, Texas, Willie Mae Michael, met pied à terre sur l'île Moustique. Plage d'ivoire, palmiers et sable fin, cet archipel très privé a tout un tas d'un havre de paix. De luxe, de calme, de volupté, ici tout le monde est riche, très riche, et seul, très seul. À commencer par la princesse Margaret, la sœur rebelle de la reine d'Angleterre, qui y fait construire un château, cadeau de mariage du maître des lieux. Pour Willy, qui compte profiter de cette retraite dorée pour renouer avec ses deux filles, une nouvelle vie commence pour le meilleur et pour le pire. Alors, pour moi, il en ressort que c'est une lecture mitigée. Je m'explique, l'autrice je la connais, j'en ai lu deux de ses romans précédents. J'avais eu un gros coup de cœur pour Un goût de cannelle et d'espoir, et j'en ai lu un deuxième, je ne me rappelle plus le titre, il me semble que c'est Le parfum de l'encre et de la liberté ou un truc comme ça. J'avais beaucoup aimé aussi, mais j'avais pas eu de coup de cœur pour celui-ci, et donc je pensais clairement que celui-là ça coulait de source. Et en fait, non, j'ai été plutôt mitigée. Alors la lecture reste agréable parce que la plume de l'autrice reste fluide et agréable. Mais voilà, je me suis enduyée pendant 400 pages. J'avais l'impression soit d'être sur un transat
pendant 15 jours à pas bouger de mon transat, à aller sur l'île Moustique et à regarder le paysage. Soit j'ai l'image de déambuler dans un musée pendant 4 heures et d'aller devant une toile de paysage et la toile d'un autre paysage et ainsi de suite. Alors c'est très joli, c'est bien, mais personnellement je m'ennuie quand c'est comme ça. Donc hormis la fin qui m'a complètement brisé le cœur, parce que vers la fin ça commence à prendre un peu plus d'ampleur, un peu plus d'énergie. Sinon ouais, je me suis ennuyée tout le long et je suis déçue. Je suis déçue de cette lecture, je m'attendais à énormément mieux et voilà. Bon, il en ressort quand même du positif, ça se lit quand même relativement vite si on se met un peu un coup de pied aux fesses. Mais voilà, j'ai pas trop vu d'intérêt plus que ça à ce roman. Alors, il traite beaucoup des histoires familiales, des relations entre mère-fille, sœur-sœur. Ça a été intéressant. Mais voilà, hormis ça, sinon franchement, je me suis ennuyée tout le long. Donc, sans plus. Ensuite, j'ai lu cette BD. Donc, c'est le tome 2 de Ladies with Gun d'Anne-Laure et Olivier Bouquet aux éditions d'Argo. Je vous avais parlé du premier tome dans ma vidéo précédente, dans mon bilan du mois de janvier. Et ce tome-là est encore mieux que le premier. Je l'ai préféré de loin. Je me suis régalée. Il y a de l'action, il y a de l'humour, des héroïnes badass qui sont au rendez-vous. Il y a aussi de la violence et du sang, évidemment, sinon c'est pas drôle. En tout cas, voilà, c'est un western féminin qui décoiffe, il est dément. J'adore, franchement, j'adore. Les images à l'intérieur sont toujours aussi chouettes. Je vous en montre voilà quelques-unes, mais voilà. C'est le même style de dessin, évidemment, puisque c'est la suite, le même illustrateur, le même auteur. Et voilà, je me suis régalée. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que déjà, il s'agit d'un tome 2. En plus, les BD sont assez courtes, il y a 60 pages, et je ne veux pas vous gâcher votre lecture si vous comptez le lire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire-là me fait énormément penser à mon coup de cœur intergalactique que j'avais eu en 2021 en lisant Les Femmes d'Érésie Ranch de Melissa Landart aux éditions Cherche Midi. J'avais adoré ce roman. C'était vraiment mon coup de cœur, mais de tous les temps. Je le recommande et j'en parle tout le temps. Et donc, d'ailleurs, si vous voulez le lire, et je sais qu'il est sorti, il me semble, l'année dernière aux éditions Pocket, en version poche. Donc, franchement, foncez si vous aimez bien un peu les westerns, un peu les héroïnes badass, etc. Franchement, ce roman, mais alors, mais il est génial. J'en ai encore les émotions quand j'y pense de quand je l'ai lu, en fait. J'ai du mal, j'avais eu énormément de mal à sortir de cette histoire et de lire un autre livre après ça. Donc vraiment, je peux que vous le conseiller. J'aimerais que tout le monde puisse le lire clairement et qu'il aime autant que moi parce que j'avais passé un excellent moment. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que ce roman-là, ces BD-là me font énormément penser à l'univers de fond, du moins de ce roman que j'avais adoré. Donc voilà pourquoi j'aime cette BD-là. Ensuite, j'ai lu Les rêves de nos mères de Karine Pitocchi aux éditions Charleston. Il s'agit du premier tome de cette saga. Je vous lis le résumé. 1912, Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant enceinte, se retrouve seule dans l'immense domaine qui est désormais le sien et se prépare à une vie placée sous le signe du deuil et des devoirs qui incombent à son titre. Mais voilà que son passé revient la hanter sous la forme de Will Murphy. Son amour d'enfance, gangster irlandais régnant aujourd'hui en maître sur l'East End de Londres. La maîtresse de Longanfield Park peut-elle lier son destin à cette figure de la pègre? Sans doute pas, tout comme elle ne devrait pas se préoccuper du quotidien de son ancienne domestique Edna, mariée à un homme violent, ni encourager sa cousine dans ses engagements suffragistes. Mais la vie change en Angleterre. Autour d'elle souffle le vent des temps nouveaux, celui des révolutions et du changement social, sans compter cette guerre qui déjà se profile imminente et terrible. Cette saga a eu une énorme hype sur les réseaux, donc j'avais pareil énormément d'attentes, j'avais peur de passer à côté.
Et finalement, non. j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome. Tout est réuni là-dedans. Il y a tout ce que j'aime, clairement. C'est merveilleusement bien écrit. J'avais peur que le fait qu'il soit très court, parce qu'il fait 250 pages, j'avais peur que justement il y ait certains passages qu'on survole, que ça soit trop en surface, pas assez développé, tout ça. Et pas du tout, en fait, la plume de l'autrice est tellement belle et c'est tellement bien écrit qu'en fait il ne manque rien. On a l'impression, c'est vraiment fluide, c'est tout s'imbrique et c'est vraiment, vraiment super bien fait. Il n'y a pas on survole la chose, enfin. Voilà, c'est un premier tome où l'autrice met en place le décor et les personnages, et c'est tellement bien fait qu'il n'y a aucune longueur. Bon, enfin, heureusement, parce que 250 pages, c'est un peu embêtant s'il y a des longueurs. Mais voilà, il n'y a pas de longueur, et c'est hyper bien, tellement bien écrit que même s'il n'y a que 250 pages, c'est amplement suffisant. Et il y a tellement de rebondissements en plus dans ce peu de pages-là que ça passe tout seul, on ne s'ennuie pas à un seul instant. Et vraiment, mon cœur, il a fait boum. Je me languis de me plonger dans le second tome qui m'attend dans ma palle. J'ai prévu de le lire normalement au mois d'avril. Donc pas dans, je ne vous en parlerai pas dans ma vidéo précédente, ma vidéo prochaine plutôt, mais dans la vidéo du bilan du mois d'avril, parce qu'il me permettra de valider deux challenges en même temps. Donc c'est pour ça que je l'ai positionné là, même si j'ai très envie de me lancer dedans. Mais on va attendre un peu. Enfin voilà. En tout cas, si pour le moment le début de cette saga est juste génial, donc je peux que vous le conseiller. Il y a plusieurs copines Booksta qui me l'ont conseillé, archi conseillé et re-reconseillé. Donc je vous le re-reconseille moi aussi, clairement, foncez. Elle est géniale cette saga historique. Ensuite, j'ai lu Une marque indélébile de Lionel Abou et Johan Pérez aux éditions Hugo. Alors, il s'agit d'un tome 2, il s'agit de la suite de l'affaire Sofiane dont je vous avais parlé l'année dernière en fin d'année. Il me semble que c'était le mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises, si vous voulez aller voir. Alors, d'habitude, je ne fais pas ça, je ne vous lis pas le résumé quand il s'agit d'un tome 2, mais ici, il me semble que je peux, car il ne me semble pas que ça vous spoile quoi que ce soit sur le tome 1. Sachant qu'en fait c'est deux enquêtes complètement distinctes. Et je voulais quand même vous mettre le contexte pour vous situer un peu. Et il ne me semble pas qu'il y ait de spoil dans ce résumé. Donc je ne le fais pas d'habitude, mais je vais vous le faire ici. Donc je vous lis le résumé. Une enquête qui marquera à jamais votre vie. 12 septembre 2023, Gabriel Goldman émerge d'un profond sommeil, une douleur à l'omoplate, pas le moindre souvenir des heures passées, et un tatouage énigmatique désormais inscrit sur la peau. Pris d'une quête obsessionnelle pour comprendre cette marque, le jeune flic se heurte à une réalité troublante. Il n'est pas seul à avoir vécu cette épreuve. Après l'affaire Sophie M, l'inspecteur Gabriel Goldman et la commissaire Victor Miller se retrouvent embarqués dans de nouvelles aventures. Retrouvez l'humour noir et le sens du récit de Lionel Abou et Johan Pérez dans cette nouvelle comédie policière. Alors, ce roman, j'ai adoré. C'est toujours aussi original, très bien ficelé. Il y a toujours autant d'humour noir comme on aime. C'est toujours autant loufoque dans les situations qu'on rencontre. Du début à la fin, on se dit mais what the fuck, mais où est-ce que les auteurs veulent nous emmener? Le dénouement, on s'y attend pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis pas du tout attendue. C'est des choses complètement originales qui sortent de l'ordinaire. Donc, pour s'en douter, c'est très très. Je vois pas comment c'est possible. Et c'est ça que j'adore dans ces romans policiers-là. Même si je lui ai préféré le tome 1, l'affaire Sophie qui est ici, je l'ai préféré à ce tome 2, mais ça n'en reste pas moins une excellente lecture. J'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment, voilà, c'est du pe comme l'affaire Sophie, il y a plein de peps dans cette histoire et j'ai beaucoup aimé. Tout laisse à croire d'ailleurs que les auteurs nous prévoient une suite à ce roman, je pense. Il y a quelques indices, du moins dans le roman, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, et sur la fin, qui me dit qu'à mon avis il va y avoir une suite à ce roman. Je dis peut-être des bêtises, mais voilà, je pense qu'il y a une petite suite qui nous attend. D'ailleurs, en parlant de suite, en attendant cette suite qui sera peut-être là bientôt, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les auteurs ont créé une chaîne de podcast, alors, qui normalement s'intitule Une marque indélébile, le podcast qu'il y a là.
que vous pouvez retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon, etc. Et en fait, comme vous le savez, du coup, il y a des personnages dans cette histoire qui sont, se réveillent un matin avec un tatouage et ne savent pas d'où ils sortent, ils se souviennent de rien. Et évidemment, dans ce roman-là, on les rencontre tous, mais il y a certains cas qui sont plus développés que d'autres. Et en fait, les podcasts vont servir à... chaque podcast va être dédié à un des personnages qui sont retrouvés avec cette marque indélébile. Et on va en apprendre plus sur eux, le pourquoi du comment, etc. Et je trouve ça super chouette comme idée. Ça rend une autre dimension à ces histoires-là. Et il me tarde de les entendre. Alors, je sais que je suis abonnée sur la chaîne sur Apple. Et il me semble que pour le moment, il n'y a que la bande-annonce qui est disponible. Mais les podcasts devraient arriver bientôt. Et d'ailleurs, je vous en parlerai en temps voulu, mais il me semble qu'il y a une petite surprise qui vous attend. Et voilà pour les lectures du mois de février. Je pense qu'on est plutôt pas mal d'ailleurs pour un mois de février. Un mois qui est assez court et pourtant, il y a eu pas mal de lectures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner par la même occasion, si vous le souhaitez évidemment. Et puis moi je vous dis à très vite, à très bientôt pour le bilan de lecture du mois de mars. À très vite, une belle journée à vous.